Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui un petit peu particulière. Cette sera une vidéo FAQ, donc j'ai préparé des petites questions, vous voyez, donc je l'ai fait moi-même, hein. Si ça permet d'en apprendre un peu plus sur moi, donc pourquoi pas, quoi. Il y aura peut-être une partie 2, si ça marche bien, on verra bien. Alors, donc pardonnez-moi si je bafouille ou je fais des petites erreurs, je fais tout en direct, pas de cut, rien du tout, donc voilà. Ah, je suis pas professionnel, hein, bon. Alors, c'est parti. À quel âge as-tu commencé à jouer aux jeux vidéo? Alors, j'ai commencé à l'âge de 7 ans, à peu près, 7-8 ans. Ma grand-mère m'avait offert la NES. Bon, à l'époque, il y avait déjà la Super NES, mais c'est déjà pas mal. J'étais déjà bien content, pardon. Avec Super Mario Bros, j'avais quoi d'autre? Mega Man. J'ai eu plein de jeux par la suite, évidemment. Je retiens notamment un jeu qui m'a assez marqué. C'était Solar Jetman, si vous connaissez, sur NES. C'est un excellent jeu d'exploration spatiale. En fait, c'était No Man's Sky version, version 2D, quoi. Vous explorez des planètes avec un petit vaisseau, et chaque planète a sa propre gravité, etc. Et de récupérer du carburant pour votre vaisseau mère, il faut tout le ramener, c'est tout un cinéma, quoi. C'est vraiment excellent comme jeu. Je vous conseille vraiment ce jeu, si vous êtes amateur de jeux de vaisseau, voilà. Après, bien sûr, j'ai eu des grands classiques, hein, Duck Hunt, etc. Bon, j'en ai plein, quoi. Ensuite, quelle console as-tu eu? Alors, j'ai eu la NES, évidemment. Ensuite, j'ai eu la PS1. J'ai eu la Nintendo 64, brièvement. J'ai à peu près eu toutes les consoles, la Dreamcast, la PS2, PS3, 360, Xbox One. Bon, j'ai tout eu, quasiment. Sauf les consoles Sega, j'en avais vraiment pas eu. Peut-être brièvement la Master System, j'ai pas dû la garder longtemps. Ouais, de mémoire, j'ai tout eu, hein, quasiment. À part les consoles Sega et... Et puis voilà. Est-ce que je suis un joueur rétro? Alors, pas tellement, non. Même pas du tout. Alors, je ne crache pas sur les anciens jeux, évidemment. C'est ce qui a fait ma culture, on va dire. Mais je préfère les jeux récents, clairement. C'est beaucoup plus intéressant à jouer. Même si c'est sympa de se refaire des vieux jeux, évidemment. Mais en termes d'intérêt, bon, c'est pas si poussé que les jeux de maintenant, vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, c'est sympa de rejouer par exemple à Super Mario 64, hein, évidemment, ça c'est sûr, mais bon. Je préfère quand même les jeux récents. Est-ce que je suis un collectionneur de jeux? Alors oui, mais après je collectionne que les jeux que je trouve dans les caches, magasins de caches. J'en achète parfois sur internet, mais c'est rare. Je suis pas un full setter, donc je trouve ça vraiment aucun intérêt. Honnêtement, vous avez tout et après. Achetez plutôt les jeux qui vous embarquez, etc. C'est moi ce que vous conseillerez. Donc j'achète de temps en temps des jeux que je trouve pas chers, que j'ai bien aimé, sur PS1, PS2, PS3, etc. Voilà. Ce que j'aime dans les jeux vidéo. Bah, ce que j'aime dans les jeux vidéo, c'est de prendre le contrôle du personnage, justement. Vous voyez, c'est ça qui est génial. C'est vous qui êtes acteur. Vous voyez, c'est super, franchement. C'est le scénario, la mise en scène, c'est génial, quoi. C'est ça que les gens comprennent pas, ceux qui jouent pas aux jeux vidéo. Le jeu vidéo, c'est vous qui êtes acteur. C'est ça qui est génial. Voilà, j'aime bien les bons gameplay, les bons scénarios. J'aime tout type de jeu, à part peut-être le jeu stratégie, c'est pas trop ma cam. Mais sinon, ouais, je joue à tout type de jeu, que ce soit jeu de course, aventure, FPS, etc. Alors, console favorite. Alors, à l'heure actuelle, en avril 2023, bah, PS5, bien évidemment, parce qu'il y a tout ce qu'il faut là-dessus. Nintendo Switch. Alors vraiment la Nintendo Switch, j'ai un grand respect pour cette console, il y a vraiment d'excellents jeux dessus. C'est top, en plus le côté portable ou télé, vraiment, ça mérite totalement son succès. Hein. La Xbox Series X, écoutez, je vais pas être méchant avec Xbox, mais ça fait 2 ans qu'ils ont rien sorti, donc c'est vraiment scandaleux, quoi. Vraiment. Donc Xbox, nul. Pourquoi YouTube? Bah parce que... À force de voir des youtubeurs comme Monsieur Toc, etc., je me suis dit pourquoi ne pas essayer moi-même de faire des vidéos. Donc au début j'avais posté des petits clips, bon voilà, sans plus, et j'ai décidé finalement de me lancer, quoi, d'essayer de faire des vidéos, tests, découvertes, etc. Et c'est pas mal, j'aime bien. Alors même si évidemment le succès n'est pas au rendez-vous, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça viendra peut-être un jour, mais bon, je me fais pas d'idées. Hein. C'est très très dur d'avoir une place à l'heure actuelle, hein. C'est... Bon, ouais. Bon, enfin, ma chaîne est quand même sympa, je trouve. J'essaye de présenter pas mal de jeux, des fois je râle un peu, c'est un peu marrant, mais bon. Voilà.
Est-ce que tu as d'autres passions en dehors du jeu vidéo? Oui, alors j'aime beaucoup les voitures. Je connais beaucoup de modèles de voitures. Dans la rue, je peux reconnaître quasiment toutes les voitures. Les deux roues, les scooters, j'aime bien. J'ai pas le permis moto, j'ai que le permis voiture, mais nul doute que si j'aurais passé mon permis auto, j'aurais aimé les motos, mais j'aime bien les petits scooters pour se promener à droite à gauche, c'est sympa. Les Lego, le VTT, le cinéma, la musique, comme tout le monde. Hein, voilà. Bon, rien d'extraordinaire, mais voilà. Bon, ça va aller assez vite, hein, je vous préviens. Un top 10 du jeu vidéo. Ouais, alors bon, il y a énormément de jeux que j'adore, hein, ça va être très dur, mais si je peux faire un top 10 de mémoire. Red Dead Redemption 2, exceptionnel. La réalisation incroyable. Très très bon jeu. Okami, sur PS4 aussi. Excellent jeu, vraiment. Une DA incroyable. C'est un peu un Zelda version loup, quoi. La saga Gran Turismo, je suis un grand fan de jeux de voiture, évidemment. Donc, de voiture tout court, d'ailleurs. Donc, la saga Gran Turismo, c'est grandiose. The Legend of Zelda Breath of the Wild, ici, là. J'attends avec impatience Tears of the Kingdom. J'espère qu'il va le surpasser. On verra. Ça va être marrant quand je vais regarder cette vidéo plus tard, quand le jeu sera sorti. Elden Ring, un chef-d'œuvre. Aussi, ça, c'est un jeu qui m'a marqué vraiment. Je suis un grand fan des From Software, mais celui-là, c'est vraiment le top, quoi. Super Mario Bros, un jeu emblématique. Peut-être le jeu le plus important de l'histoire du jeu vidéo. Parce que c'est celui qui a démocratisé les jeux vidéo pour le grand public, quoi. Il y avait des jeux avant Atari, etc., mais c'était pas aussi prenant, pas aussi. Voilà, c'est à partir de Super Mario Bros que tout a commencé, je trouve. Vraiment. Puis là, ça atteint des niveaux incroyables maintenant. Metal Gear Solid 5, un jeu exceptionnel en termes de gameplay, de mise en scène, DA, etc. Enfin, pas de DA, mais voilà, de comment c'est filmé, etc. Le jeu est vraiment incroyable. La saga Final Fantasy, évidemment. Bon, je peux pas vous dire quel est mon mes épisodes préférés, je les aime tous. Faites la saga Final Fantasy, clairement, voilà, c'est énorme. SnowRunner, c'est le jeu qui m'a fait un peu décoller sur YouTube. Bon, attention, j'ai que 2500 abonnés, hein, on se calme. J'ai gagné plus de 2000 abonnés grâce à ce jeu, parce que j'ai streamé le jeu en avance, donc forcément, voilà. Donc il y a d'ailleurs plein de tutos sur la chaîne. Hein. Shadow of the Colossus, la version PS4, un jeu emblématique aussi, très poétique. Vous affrontez des colosses dans une plaine, c'est génial. Poétique et tout, hein, avec des musiques fantastiques. Voilà, bon après il y en a plein d'autres, hein. Bon, ça fait 10 à peu près, voilà. Le dernier jeu qui t'a marqué, que j'ai fait, alors c'était Eplectile Requiem. C'est un jeu qui laisse pas indifférent, honnêtement, j'ai vraiment adoré ce jeu, malgré son gameplay un peu bancal. J'ai fait une vidéo test sur la chaîne, hein, n'hésitez pas à aller la voir. C'est un jeu vraiment excellent, avec des personnages attachants, bon scénario, etc. J'ai adoré. Même si le gameplay est un peu, voilà, un peu dirigiste, un peu brouillon, mais. Je vous le conseille, faites d'abord le premier évidemment. Quel est le jeu que tu attends le plus? Alors pour cette année 2023, bah, de très loin, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Voilà, celui-là, j'espère qu'ils vont. S'il vous plaît. Ne foirez pas les donjons, s'il vous plaît. Non, je pense que ça va être du lourd. J'attends aussi Final Fantasy XVI. Mais bon, j'ai quelques peurs quand même que ce soit pas assez. Évoluer, enfin, je pense que ça va être bon, mais. Et aussi en jeu de course, Test Drive Solar Crown. Ça manque un peu de jeu de course en monde ouvert sur PlayStation. Contrairement à la Xbox, c'est son point fort d'abord, avec les Forza Horizon, Forza Motorsport, pardon, qui est vraiment excellent. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Chaîne YouTube préférée que je recommande? Oui. Padawan HD. Alors oui, certains qui connaissent vont dire, ils sont jamais contents, etc. Mais je trouve qu'ils font. Ils osent dire les choses qui vont pas, etc. etc. Qui parlent de l'actu aussi, pas seulement du jeu vidéo. Actu Gaming, qui font des vidéos tests très. C'est très net, clair et précis. J'adore cette chaîne. C'est. Voilà. Tu sais ce que tu regardes. Rétro Game Futur. Dédicace à Ricky si tu regardes cette vidéo. Une chaîne qui permet de la découverte des jeux vidéo sur leur format 1.0, sans les mises à jour. Parce que vous savez que dans ces temps assez récents, il y a pas mal de jeux qui sont assez mal finis, qui ont des bugs, voilà, des crashs, etc. On ne vit pas une époque très stable en termes de jeux vidéo, je trouve. Il y a des jeux de folie, hein, c'est clair. Mais après les finitions, voilà. Donc cette chaîne est plutôt sympa. Je vous invite à aller la voir, Retro Game Future, si vous voulez voir des jeux dans leur état brut. Des fois on rigole. Hein.
Monsieur Toc, qui m'a fait aimer vraiment les vidéos tests sur YouTube, qui est vraiment il est très doué ce gars. Il fait des vidéos tests, uniquement des vidéos tests. C'est dommage d'ailleurs, il pourrait peut-être faire des lives ou quoi, enfin je sais pas si c'est prévu sur sa chaîne, mais enfin bon. Et il fait des tests vraiment très éclairés, très précis, il détaille chaque point, et surtout avec une qualité d'image incroyable. Donc voilà, j'ai pas d'autres questions, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, j'y répondrai. Alors c'est vrai que je regarde un peu en haut, mais la caméra est en haut, donc c'est là que je regarde, mais bon. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Bon, qu'est-ce que je pourrais vous parler d'autre? Qu'est-ce que je pense des jeux vidéo actuellement? Je trouve qu'il y a de plus en plus de jeux mal finis, comme je l'ai dit. Il y a un peu trop souvent. Ils se reposent un peu trop souvent sur les mises à jour, les développeurs, c'est un peu dommage. Ils ont tendance aussi à vouloir mettre des connexions Internet obligatoires, ça j'aime pas trop. Voilà, parce que imagine, dans 10 ans, si tu joues au jeu, bah tu pourras plus. ouais, bon, globalement, c'est quand même des bons jeux qui sortent, hein, même si. Malheureusement, les jeunes, je trouve, sont un peu trop à fond dans Fortnite ou Minecraft. Alors, bon, je dis pas que c'est pas bien, évidemment, mais quand vous voyez des gros youtubeurs, ils font que ça, Michou, Inoxtag, etc. Bon, ouais. Je sais pas, vous êtes pas curieux, non? Enfin, intéressez-vous à d'autres jeux, non? Je sais pas, non? Je comprends pas qu'on puisse jouer toute l'année à un seul jeu, hein, ça, je comprends pas. Bon, chacun son avis, hein. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour à peu près. Bon, j'espère que j'ai pas oublié trop de trucs. Peut-être que je ferai une partie 2. Si ça vous a plu, pensez au petit pouce bleu, abonnez-vous, etc. Puis, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Désolé pour le son, j'ai fait qu'avec mon téléphone. Moi, hein, bah, j'ai pas de stuff professionnel YouTube. Hein, bon. Voilà. Petit jeu bonus pour ceux qui sont restés. Si vous arrivez à découvrir c'est quoi comme voiture ici, vous avez mon respect. Voilà. Aussi Dead Island 2, j'ai pas parlé, c'est le dernier jeu que j'ai fait aussi sur PS5, je suis en train de le faire actuellement d'ailleurs, il est vraiment excellent, si vous souhaitez un bon défouloir, allez-y. Allez, ciao les gars, merci à tous.